Salut les amis, bon dimanche à tous. Alors le WOD du jour aujourd'hui, Tabata, Tabata, Tabata sur 4 exercices. Ça va être intéressant. On va voir qui seront les courageux qui vont l'effectuer. Alors le Tabata, vous vous souvenez, c'est 8 séquences, 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération. C'est intense. Donc attention à vos séries sur les 20 secondes de travail. Ne soyez pas trop gourmand au démarrage parce que sinon vous allez avoir du mal sur les dernières séries. En général, le Tabata, c'est à la série 3 ou 4 qu'on commence à se rendre compte que ça va être long. Alors, 4 exercices. Le premier, on va faire des single arm plank. Donc là, c'est une jambe en l'air, un pied en l'air. Donc je me mets à 4 pattes ici. Et là, je vais venir lever une jambe et lever un bras. Alors, jambe opposée au bras, bien sûr. L'idéal, c'est de garder le buste le plus droit possible, de bien tendre la jambe, pointe de pied vers l'arrière, jambe contractée, fessier serré. Et je viens reposer et je recommence. On garde sur la séquence de 20 secondes le même côté et on changera à chaque intervalle. Voilà pour le premier exercice. Ensuite, on a des glute bridges à faire. Donc, glute bridges, ici, je viens me mettre au sol, je lève les fesses, je décolle. Les fesses, je serre les fesses et les cuisses et je repose au sol. Glute bridges. Après ça, on recommence le même exercice donc, que le premier, le single arm plank, et on recommence à alterner les deux côtés. Et on va terminer avec des flutter kicks. Donc, flutter kick, je me mets dans cette position-là. Paume de main au sol, je décolle le menton. Donc je vais mettre le menton dans la poitrine, je décolle les jambes et là je viens alterner mes jambes en gardant mon menton dans la poitrine et les épaules décollées du sol. Flutter kick, 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. Voilà, un petit WOD bien sympathique qui va te faire travailler la sangle abdominale et les lombaires en ce dimanche avec un petit peu de soleil pour nous en Normandie. Donc, comme d'habitude, postez en commentaire vos résultats, postez vos ressentis. Je vous souhaite une très bonne fin de dimanche et puis je vous dis à demain. Allez, salut à tous!